Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, a priori, paraît être un consensus total dans le petit monde des sophrologues. J'ai déjà vu en 10 ans de carrière beaucoup de polémiques dans le petit monde des sophrologues, mais je n'ai jamais vu de polémique autour de l'importance de la confidentialité. Ça paraît un consensus général, hein. Pour qu'un accompagnement aille au bout, il est important que le sophronisé se sente 100% à l'aise avec nous et qu'on puisse garantir à nos sophronisés que bah, tout ce qu'il va dire dans notre cabinet, au sein de ces échanges, de cet accompagnement, ne va pas être répété à droite et à gauche, pour qu'il puisse se sentir parfaitement à l'aise pour s'exprimer. La sophrologie, comme vous le savez déjà, vous qui êtes sophrologue, vous qui n'êtes pas encore sophrologue, bah, si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant, la sophrologie n'est pas une simple méthode de relaxation. La relaxation est un moyen qu'on utilise pour atteindre un certain niveau d'écoute de soi, pour pouvoir justement élargir sa conscience, pour pouvoir avoir une meilleure vision des choses, de nous-mêmes, de l'environnement, etc. Donc, ce qu'on cherche à obtenir dans une séance de sophrologie, eh bien, l'élargissement de la conscience de nos sophronisés. Et c'est la raison pour laquelle il y a une part d'imprévisible dans une séance de sophrologie. Et cette question de la confidentialité n'est donc pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Sinon, il n'y avait rien à dire, hein, puisque, a priori, la confidentialité semble être un vrai consensus. Le problème, c'est que comme il y a une part d'imprévisible dans une séance de sophrologie, pour être sûr que je vais vraiment, que mon sophronisé va vraiment être à 100% à l'aise avec moi, quoi qu'il arrive, il est indispensable que je n'accompagne que des personnes que je ne connais pas. Et c'est là que ça se corse, parce que il y a beaucoup de sophrologues qui, enfin beaucoup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas il y en a quelques-uns, qui vont dire que cette règle-là, bon, elle n'est pas si importante que ça. J'ai ma petite nièce, j'ai la fille de ma meilleure amie, j'ai le mari de ma meilleure amie, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma mère, j'ai ma tante qui ont besoin d'aide et bah, je suis sophrologue, je vois pas où est le problème de les accompagner. Ma petite nièce, elle veut faire des séances de sophrologie, bah, je suis sophrologue. Alors, je comprends que si la problématique de ma petite nièce était la relation avec sa mère, qui se trouve être ma sœur, je l'accompagnerai pas parce que là-dessus, je veux bien que. Mais bon, en fait, elle est juste stressée par rapport à son bac, donc je peux l'accompagner. Le problème dans ce raisonnement, que je peux comprendre, et d'ailleurs, je tiens à dire que des fois j'entends hein, des sophrologues qui disent ça, j'ai accompagné ma meilleure amie, j'ai accompagné telle personne, et ça s'est bien passé, la personne a atteint son objectif. Je veux bien croire que c'est vrai. Je trouve toujours que c'est une très mauvaise idée, mais je pense que c'est vrai. Ces sophrologues-là ne mentent pas. Ils ont accompagné des amis, ils ont accompagné des personnes, et ça s'est bien passé. Le sophonisé était content à la fin, il a atteint son objectif. C'est tout à fait possible. Cependant, il y a un espace. Peut-être, hein, comme je disais il y a quelques instants, il y a quelque chose d'imprévisible. Quand on élargit sa conscience, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Hein. Donc il y a toujours une part d'imprévisible dans un accompagnement de sophrologie, dans une séance même de sophrologie. Donc si vous accompagnez votre petite nièce pour son stress par rapport au bac, si vous accompagnez le mari de votre meilleure amie parce que c'est un sportif et il va faire un marathon, et que vous vous dites ça pose pas de problème parce que bah, il va pas me parler de sa femme, ma nièce va pas me parler de sa sœur. Mais qu'est-ce que vous en savez en fait? Hein? Il y a, en accompagnant ces personnes-là, quelque part vous fermez la porte à certaines prises de conscience qui pourraient arriver et qui ne vont peut-être pas arriver. Hein. Donc la personne, elle a une capacité de voir son environnement qui est celle-ci, ou elle-même qui est celle-ci. Hein. Sa conscience, elle est comme ça. Sa conscience commence à s'élargir et peut-être que le mari de votre meilleure amie, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son mariage et
bah, sa conscience va arrêter de s'élargir. Parce que c'est pas avec vous qu'il pourra faire cette découverte-là. C'est pas à travers vos séances il y a quelque part un frein immédiat qui va arriver, hein, et il va se rendre compte de quelque chose, et soit il va laisser cette prise de conscience de côté, soit il va arrêter les séances, soit il va avoir la prise de conscience, mais il sait que c'est pas à vous qui pourra en parler. Donc, d'une façon ou d'une autre, hein, je veux bien croire que pour certains accompagnements, il n'y aura pas ce genre de prise de conscience, et bah, ça peut très bien se passer. Mais vous prenez toujours le risque d'empêcher votre sophronisé d'aller vers le vrai but de la sophrologie, qui est ni plus ni moins avoir une meilleure connaissance de soi, avoir une meilleure perception de soi, avoir une conscience plus élargie. Donc, à cause de ça, pour cette raison-là, juste dire à nos sophronisés, soyez rassurés, je respecte le code de déontologie et tout ce qui est dit ici ne sortira jamais d'ici, et donc évoquer la confidentialité, n'est pas suffisant. Hein. Même si vous avez dit à une personne, vous pouvez tout me dire, sachez que vous ne serez jamais jugé, imaginez que le mari de votre meilleur ami est tombé amoureux de la voisine. Vous pensez bien que même si vous lui avez dit qu'il peut tout vous dire, vous pensez bien qu'il ne va pas vous dire ça. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée d'accompagner des proches, ce n'est pas une bonne idée d'accompagner les proches des proches, et ça ne suffit pas donc de juste dire aux gens, soyez rassurés, je ne vais pas juger ce que vous allez me dire. Il y a vraiment des personnes qu'on ne doit pas accompagner quand on est sophrologue. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien vous donner une petite liste et vous dire, bah voilà, à partir du moment où c'est le voisin de la voisine, ça pose pas de problème. C'est une évaluation que vous serez obligé de faire tout seul, hein, par rapport les proches, à mon sens, c'est vraiment à éviter. Les proches des proches, bah, ça dépend, c'est des personnes sur qui vous êtes susceptible de tomber. De temps en temps, ça dépend du niveau de proximité. Pour vous donner un exemple, récemment, j'ai eu une personne en supervision qui m'a raconté sa dernière séance avec une adolescente qui était venue faire des séances de sophrologie pour une gestion de la douleur physique. Et à la fin de cet accompagnement, elle a fait son coming out. Elle a dit à la sophrologue que, bah, elle s'était rendue compte qu'elle était homosexuelle et qu'elle avait fait donc son coming out pour elle-même déjà. Elle avait donc finalement réussi à assumer pour elle-même qu'elle était homosexuelle et qu'elle allait pouvoir donc le dire à sa famille très vite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui était prévu à la base. Elle n'avait pas du tout voulu faire des séances de sophrologie pour s'assumer homosexuel, pour mieux comprendre son orientation sexuelle, pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, grâce à l'élargissement de sa conscience, elle a pu rencontrer sur le chemin cette information-là qu'elle a laissée émerger et qu'elle a réussi à assumer pour elle-même. Imaginez, est-ce que votre nièce ferait ce type de découverte devant vous? Peut-être, peut-être pas. C'est toujours le risque qu'on prend si on accompagne des proches. Alors, si vous avez des proches, effectivement, qui sont en souffrance près de vous, vous êtes sophrologue et que vous avez vraiment envie de les aider, bah, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez très bien montrer quelques exercices de sophrologie, hein, à vos proches. Vous pouvez très bien, bah, leur montrer des exercices de respiration, de montrer des exercices de visualisation. C'est tout à fait possible, hein. Vous n'allez pas laisser cette personne dans la souffrance alors que vous connaissez des outils qui peuvent peut-être l'aider. Après, si cette personne veut et a besoin de faire un vrai accompagnement, des séances avec un sophrologue, vous allez bien sûr prendre votre carnet d'adresses et l'envoyer vers un ancien camarade de formation, vers un autre sophrologue que vous connaissez, et bah, peut-être qu'un jour ce sophrologue-là va aussi vous renvoyer l'ascenseur, va vous envoyer quelqu'un de sa famille qu'il ne peut pas accompagner. Donc ça, c'est du professionnalisme, hein, que de refuser certains accompagnements, même si, hein, vous avez très envie d'aider tout le monde, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas le meilleur sophrologue
pour accompagner vos proches et, dans une certaine mesure, les proches de vos proches non plus. Voilà, donc la question de la confidentialité dans toute sa complexité. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.